Nous sommes entrés dans un débat redoutablement difficile. Un débat dans lequel, je crois, nous devons rentrer plein de doutes, j'en nourris beaucoup, plein de dignité aussi. Un débat avec des applaudissements, peut-être, mais sans effet de manche, ni apostrophe, ni huée, je le crois, il mérite tellement mieux que cela. Ce débat, il en dit beaucoup sur notre rapport à la mort, à la vulnérabilité, et sa tenue aujourd'hui, dans le contexte que nous connaissons tous, m'interroge. La souffrance, l'agonie seraient-elles devenues si insupportables qu'elles en seraient indignes ? J'ai beaucoup entendu que la France serait en retard depuis tout à l'heure. Je crois qu'elle est profondément en avance. Peu de pays ont une loi comme la loi Claeys-Leonetti que nous avons depuis 5 ans. Il y a une voie entre laisser mourir et faire mourir. Il y a une voie pour accompagner et finalement le droit de choisir sa fin de vie libre. Le moment venu, il existe déjà par la loi Claeys-Leonetti, par les directives anticipées, par la personne de confiance, par la sédation profonde et continue jusqu'à la mort. Je crois profondément que l'urgence est à donner le temps et les moyens à notre loi de s'appliquer avant, non pas d'aller plus loin, mais effectivement d'aller ailleurs.